ina yokana sango liluna monina misonanga izala kilukula ndoto na moni lobo kwanzambe kobi misanga katya kunda. Je n'arrive à imaginer qu'une vie dans le désespoir zamba ponyo salelanga passé nangeto ndaba blessure j'étais trahi par les miens Jésus m'a tendu sa main nanya koka ki ko imaginer moto azangitina babenga yeli konzi ya famille bazala kyokendo kuna ngali bakumalamu makutani na Yesu na nzela kibanga oyo babwakaki lelo yango nde ekomeli konzi ya lopango atandinga loboko na zibo moya sika e bolingo ya masia itindi na yemba loyemba motema na ngae na zalaki ebembe atandinga loboko na zibo moya sika je n'étais pas qualifié, Jésus a vu le meilleur en moi. Na aussi na vie à solitude, ma trahison, na jalousie, et l'ikeza la qui annulé. Na sala qui va choisir ma peine à la vie à kala, et même la king et tout mouyaliwa. Na pesa qui koutou bato confiance, na moi tango moke, batango bawanga la kingaye. Bazala kyo kendo kuna ngali bakumalamu nakutani na Yesu na nzela moto babwaka kina nzela lilo motango akumili konzi ya lopango alamolinga soni asilisi pasi akokiselinga bilaka e nasala kyako kufa atandi. Un bisou. Mais comment on saura que vous êtes mariés? Ah. Enlevez la honte. Un bisou, vas-y. Allez, autorisé, chérie, autorisé. Caméra, prêt. Allez. Bisous. I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I did pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I did pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart is a beat like do do pray, do do pray. Cause now you are true, so I am family, I know fair. I sing for you and I be like do do pray, do do pray. Baby, now you are go big, oh, I am family, I know fair. But there we go. See, I may not give the word to you, but I'll give you what I have. Pray for you.
simplement. Premièrement d'abord, on va se lever. Je vais inviter les papas et les mamans à se lever. Voilà. Pour accueillir le roi et la reine de la soirée comme il se doit. Voilà. On va un peu se réchauffer. Alors, je ne vous ai pas présenté ce soir. À la caméra, nous avons la grande équipe de Mikey Leki. Au platine, ils sont deux. Nous avons DJ 13 et nous avons aussi le plus connu de la capitale, DJ Capello, et moi-même qui vais essayer de vous faire danser jusqu'au petit matin. Je suis Monsieur Lenoir. Chers invités, si nous sommes là, je pense que c'est pour l'union des deux familles qui sommes là ce soir. Nous sommes là pour communiquer la joie, pour essayer de démontrer notre amour envers les mariés. Alors sans plus attendre, on ne va pas faire plus attendre le roi et la reine de la soirée. DJ Capello, je pense que on peut accueillir le roi et la reine de la soirée. Thank you.
Madame Mayemba, désormais, s'il vous plaît. Non. Chez nous, c'est pas comme... Je vous ai dit, chez nous, c'est pas comme ça. C'est comme s'il y a des jaloux du mariage. Hein. Excusez-moi. Hein. J'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour monsieur et madame Mayemba, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser les coups de joie? Voilà. Alors, permettez-moi de faire quelque chose dont j'ai l'habitude. Melchi, si tu me permets de reprendre ma soeur quelques secondes, j'aimerais juste un peu qu'on l'admire. Hein. Tu m'autorises, Christelle, viens avec moi s'il te plaît. Voilà. Alors, Christelle, tu sais, moi j'ai l'habitude de le faire. Hé, hey, waouh, quelle alliance. Hé, hey, ça va, hein. Mon frère, vraiment, ça va. Notre youtubeuse du moment, elle va marcher. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Christelle, ce soir, est magnifique
sublimissime et tellement belle. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Christelle, s'il vous plaît? Avance un peu, marche un peu, marche un peu, marche un peu. Voilà, marche un peu, marche un peu. Voilà, voilà. Voilà, tourne un peu, tourne un peu, tourne un peu. Et c'est où la libana? Oui, voilà, voilà, voilà. Tu peux revenir, maestro, tu t'étresses. Tu peux revenir là. Alors, vous savez, j'ai une place particulière. Je ne sais pas comment le dire, mais Melchi, personnellement, ce n'est pas Monsieur Lenoir qui parle, c'est Jefferson qui parle. Christelle et moi, c'est une amitié qui remonte déjà à 7 ans. Pour tout ce que tu as fait, je te dis merci. Aujourd'hui, tu es parmi nous dans notre famille. Nous te donnons notre sœur en espérant que tout va bien se passer, que vous puissiez avoir de nombreux, nombreux, nombreux enfants. Que vos enfants soient toujours la tête et jamais la queue. Que vos enfants, que toutes les paroles qui sortiront, qu'ils soient toujours les premiers en classe et jamais les derniers. Que vous puissiez aller de succès en succès. Vous êtes un exemple pour les jeunes qui sont aussi là dans la salle. J'aimerais quand même aussi te mettre à l'honneur, parce que j'ai mis à l'honneur ma sœur, mais tu es aussi mon frère maintenant. Peux-tu avancer s'il te plaît? Tu es un vrai, hein? Un monsieur Mayemba, avance un peu. Avant de faire du bruit pour monsieur Mayemba, s'il te plaît. Voilà. 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 Tourne encore, tourne encore, tourne encore. Voilà. Voilà. Fais du bruit pour monsieur Mayemba. Voilà. Comme ça, comme ça. Voilà. Alors, monsieur Mayemba, tu peux revenir. Tu reprends ta dame. Alors, chers invités, de la part de monsieur et madame Mayemba des hommes. Ça me fait bizarre, hein, parce que j'ai toujours l'habitude de dire Dekocha. Pour tout le monde, il y en a aussi qui sont là, on a toujours l'habitude de dire Dekocha ou Christelle. Maintenant, c'est madame Mayemba. Eh, ma soeur, elle est mariée. Hein. Ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Alors, de la part des mariés, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous voir en espérant que vous allez passer une bonne soirée avec nous, que nous allons pouvoir danser en étant à l'aise. Nous sommes en famille ce soir. Donc, je vais parler aussi en français. Restez sur la chaise, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour de joie. Je vais demander, juste avant que je ne puisse continuer, notre papa, papa Roger, qui est là, va quand même... Papa Richard, pardon. Papa Richard, qui est juste là, va nous faire une petite prière pour mettre les personnes qui vont venir nous rejoindre entre les mains de Dieu et nous aussi qui sommes là entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre papa, s'il vous plaît? Non, est-ce qu'on peut bien applaudir pour notre papa, s'il vous plaît? Voilà. Maestro du D13. Alors, juste avant que la prière ne se fasse, ce n'est pas pour le respect de notre pasteur, ni pour le respect des mariés, pour le respect de notre Dieu que nous servons. Je sais que dans la salle, chacun sa croyance religieuse. Mais je vais vous demander par respect, chers invités, est-ce qu'on peut se tenir debout et incliner nos têtes pour la prière, s'il vous plaît? Je vous remercie de la réaction. Bonsoir à tout le monde. Si nous sommes en train d'honorer Dieu, parce que le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas les hommes qui ont prôné le mariage, mais c'est Dieu. Pour ça, tout Seigneur, tout honneur. C'est lui qui a permis que nos enfants puissent se réunir. C'est pour ça que nous voulons remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Comme la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Moi, je crois à la prière d'ensemble. Nous tous, nous voulons prier pour que cette soirée se passe bien. Parce que la joie vient de Dieu. Parce que chacun d'entre nous peut avoir des problèmes, des soucis. Mais les deux côtés, que le Seigneur te donne la joie. Parce qu'on ne t'a pas convoqué, mais on t'a invité pour que tu puisses égayer cette soirée avec eux. Que tu ne sois pas dans ton coin, que tu puisses participer à cette joie. Et la joie vient de Dieu. C'est pour ça que nous voulons remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Si on peut élever nos voix, nous tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes en train de remettre cette soirée entre tes saintes mains. C'est toi qui as instauré le mariage. C'est toi qui donnes la joie. Tu as égayé dans la fête de noces de Cana. Seigneur, que ce mariage aussi puisse avoir la joie. Seigneur, que ta présence glorieuse soit dans ces lieux. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de remettre la nourriture qu'on va manger en tes saintes mains. Nous le mangeons avec action de grâce pour la seule gloire de ton nom. Merci encore de ta présence dans cette soirée.
Merci encore de nous accompagner. Merci encore pour Melchi et Jennifer. Merci encore pour l'amour immense que tu leur témoignes. C'est pour cela que nous t'acclamons, parce que tu es un Dieu glorieux. C'est pour cela que nous poussons des cris de joie, parce que c'est un Dieu merveilleux. C'est lui qui a permis que ce mariage puisse avoir lieu. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Avant qu'elle présente sa nourriture, elle présente sa nourriture, mais elle danse d'abord avant pour. Tout le monde sait que notre maman était une très très bonne danseuse. Yes. Elle m'a dit, tu sais, Jefferson, je veux danser pour ma fille. Yes. Tu vas me faire juste 30 secondes, caca, pour tout à l'heure, caca. C'est bon. Voilà. Toutes les serveuses, vous allez arrêter quelques secondes juste pour vous, s'il vous plaît. Voilà. Tu vas te mettre à côté de maman. Toutes les serveuses, vous mettez gauche et droite. Gauche et droite. Voilà, gauche et droite. Permettez-moi de... Je pense que vous connaissez déjà, comme je l'ai dit, si nous sommes là, c'est parce que nous savons déjà qui nous fait à manger. Nous avons notre chef traiteur, donc merci traiteur. Nous avons monsieur et madame des Queen Evans avec toute l'équipe de service, coordination, service aussi, boisson, avec aussi service maître de cérémonie, notre maître de cérémonie aussi qui est là. Voilà, nous sommes en famille, nous sommes beaucoup ce soir. Donc, voici l'équipe qui va essayer avec, nous allons essayer, pardon, de... faire à ce que votre soirée se passe extrêmement bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour Maman Rose, pour Melchi, pour Christelle aussi, notre maquilleuse aussi. Il y a tellement de chefs d'entreprise parmi nous. Ah, ok. Maestro 13. Donc, la petite histoire est que... Moi, je connais la petite histoire. C'est que, à la base, Maman Rose, on la connaissait en tant que traiteur. Hein. Oh, personne ne répond. Maman Rose, on la connaissait en tant que... Oh là là, vous voulez pas manger, hein? Maman Rose, on la connaissait en tant que... Eh, il y a mal les pardon. Et Maman Rose a dit, vous savez, mes filles, il faut que vous soyez des battantes dans la vie. C'est-à-dire que ne soyez pas là à attendre à ce qu'un homme vienne pour vous entretenir. Chez nous, c'est pas comme ça. Donc, la première, qui est notre première, avance-toi un peu. Notre sublimissime Débo la reine a ouvert sa première entreprise de Queen Event, service et coordination aussi d'événements de vos mariages. La suivante, qui est assise à côté de son mari aujourd'hui, elle peut se lever aussi, hein. On ne te voit pas avec les fleurs là, on ne te voit même pas. Voilà. Notre maquilleuse aussi, maintenant qui est devenue aussi youtubeuse. Voilà. Et son mari aussi, permettez-moi de vous dire, son mari aussi, qui est mon collègue, qui est aussi maintenant parmi de nombreux maîtres de cérémonie et animateurs aussi, Monsieur Mayemba. Est-ce qu'on peut applaudir aussi pour nous tous, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Tu m'as choisi. Depuis le monde de ma mère, tu m'as choisi.
Oh,
Ainsi aujourd'hui, Madame Mayemba, et je t'aime jusqu'à la fin des temps. Mon prince de paix.
j'ai beaucoup de... Mais je vais faire court. Le jour où on s'est rencontrés, je n'aurais jamais pu penser qu'aujourd'hui, on allait arriver ici. Mais par la grâce de Dieu, on est arrivé ici. Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir donné un homme comme toi. Parce que tu es un homme merveilleux. Tu me combles de bonheur. Il m'a jamais fait de mal. Donc il ne me fera jamais de mal. J'ai confiance en lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte de faire devenir Meshi l'homme de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais te respecter comme je l'ai toujours fait. Je vais te chérir comme je l'ai toujours fait. Je vais m'occuper de toi comme un bébé. Fini, terminé. Je te ferai à ces moules. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Alors, permettez-moi, je sais que les parents sont là. Je sais que les parents sont là, juste avant. Merci beaucoup quand même au pasteur et au papa. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour eux, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je pense que Jonathan, tu peux te mettre en position pour quelque chose qui a manqué. On a donné les alliances. Jenny, Melchi, tu as marié ta femme. Tu as donné la bague, mais il manque quelque chose, non? Tu peux remettre les lunettes. Ils ont la lunette. Ils ont un moins respect, tout ça, moins. Hein? Il manquait le bisou. Il manquait le bisou, non? Ma supporter, ma gangui. Il manquait le bisou. Ma yaruga, ma kaka. Zoyé. La nera propre, c'est à toi. Waouh. Wow! Ma supporter m'a gagné! Bozawa! Permettez-moi, juste avant qu'il fasse l'ouverture de bal, permettez-moi de présenter les deux personnes qui ont habillé juste notre beau marié. Le premier, Milton Kitkalou, s'il est là, s'il peut venir rapidement, et aussi la Moda. La Moda aussi, si elle est là. Est-ce qu'elle peut venir rapidement, s'il te plaît? Le temps m'a court, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre styliste reconnue dans la place parisienne, Chloé Lamoda? Merci beaucoup pour cette magnifique customisation. Tu as rendu notre marié, notre frère aujourd'hui. Applaudissez bien quand même pour elle, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Lamoda. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je pense que... Je suis un enfant.
Sont en train de danser.